Salut, amis moi. Jodi a nan numéro 740 nan rubrique nou an, ma Bible, mon trésor, nou pral attirer attention sou youn nan gros complot que l'Éternel t'écrasé pour peuple juif là. Là, nou nan youn nan livre nan Ancien Testament. Nou nan livre Esther. Nan l'année 473 avant Jésus-Christ. C'est l'an année ça, yon nom yote rele Aman t'a fait gros complot pour touye peuple juif là qui t'est trouvé dans ville Perse. Heureusement, l'Éternel t'est campé avec peuple Lia. Il t'a répondu à prière yo. Complot ça pas arrivé passé. L'ennemi a t'est fouillé troule, il est tombé là dans encore. Zami moi n'a invité pour imiter comportement Red Esther Mardoché ensemble avec peuple juif là. Pendant l'ennemi a préparé gros complot sous d'eau, tant pris, cherchez secours l'Éternel. Yon nom yote rele Aman, premier ministre roi Assyrus, qui te rayi peuple juif là. Peut-être ça, li te besoin éliminer li. Même jan tout, nous gen pile l'ennemi qui compte nous. Yo pa vle wè nous, yo vle touye nous. Yo même préparé date pour sa fête. Mais kembe toute confiance ou nan bon Dieu parce que c'est lui-même seul qui ka dévier toute qualité mauvais plan que l'ennemi a gagné sous la vie. Bon me raconte au contexte complot que Aman t'a fait sous dos juif yo. Roi Assyrus qui t'a régné sur la Perse divorcé avec madame li la reine Vasti l'an l'année 482 parce que reine nan t'a désobéi. Nan époque ça, t'es gen un pile juif qui t'a vive dans ville Perse. Surtout juif qui pas d'accord tourner à vivre à Jérusalem après roi Darius te bay décret pour dire captivité a fini pour yo. Parmi tout juif ça yo, t'es gen belle jeune femme yo te rele Adassa. Nous plus connait li sous nom Esther, qui t'est sorti dans tribu Israël Benjamin. Qui te joue une bonne jan éducation nan mes cousins li qui te rele Mardoché. Adassa ou bien Esther te rentre dans gros concours qui te gen pile jeune fille qui te postulé pour devenir reine roi Assyrus. Et c'est comme ça Esther trouva grâce aux yeux de Dieu et aux yeux du roi Assyrus. Et dans l'année 478 avant Jésus-Christ, Esther est devenue reine et femme du roi Assyrus. Chapitre 3 dans le livre Esther raconte nous, te gen un nom yo te rele Aman, premier ministre roi Assyrus. Dieu bolobo sou li te moute li. Li pat wèl pat tande. Li te kite Satan ap servi ansanm avèl jusqu'à ce que li forme un grand complot pour le massacrer tout juif qui t'a vive dans ville Perse. Mais c'était bien compté, mal calculé. L'Éternel t'écrasé tout gros complot. Non mieux te rele Aman sorti honte. Au contraire, dit te bay gros au champ à Mardoché dans toute ville là. Pendant t'a pomené et crié bien fort. Mais moun roi vle honoré. Li te fait planter un gros poteau pour te pend Mardoché. Mais on compte ça qui passé. C'est lui-même, yo t'ai pendié sous poteau. Et bon Dieu t'ai inspiré roi Assyrus jusqu'à ce que il t'ai prend position pour peuple juif là. Zami moi, nous par contre qui complot Satan le diable ak tout acolyte li yo, a millionné en bas sous dos. Mais nous dou pas peur, pas craindre. Moun qui avait la plus fort que ça avec l'ennemi. Toute qualité zam l'ennemi a forgé contre nous-mêmes. Non seulement yap sans effet, mais yap tourné encore contre l'ennemi. Même sou ta au courant que complot a bien monté contre ou même. Mais que propose ou pas besoin sauter. Bon Dieu la pap dormi, la veye pour ou même pour ka dormi en paix. Bon li deux versets sa ou pour ou même dans livre Esther chapitre 9. Verset 2 a dit nous, les Juifs se rassemblèrent dans leur ville, dans toutes les provinces du roi Assyrus pour mettre fin sur ceux qui cherchaient leur perte. Et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Verset 5 à verset 6 dit nous comme ça, les Juifs frappèrent à coups d'épée,
tous leurs ennemis. Ils les tuèrent, ils les firent périr. Ils traitèrent comme il leur plut ceux qui leur étaient hostiles. Dans Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes. C'est bagay qui belle, ouis en mimoué. L'or pas la caillou, mais l'Éternel a bon victoire dans le quartier général ennemi. Yon seul bagay ou besoin fait. Rete tranquille, rete dans la prière, rete connecté avec Dieu. Une garantie, quel que soit complot ennemi à forger contre vous-même, l'Éternel la taille ennemi en pièce. Amen.